que le ministre des Siliki pour son allocution. Au passé, s'il vous plaît. Santé. Merci beaucoup. Après donc la permission de Sa Majesté Nana Amadjoufou V et des autorités religieuses, nous voudrions ici vous passer le message. Le message du parrain de cette cérémonie, qui n'est autre que le ministre Amand Tano Marcel, directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, que je vous prie de façonner très très fort. Oui, même si vous êtes fatigué, ovationnez le directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que n'est pas directeur de cabinet d'Alassane Ouattara qui veut. Et quand on a la chance d'avoir son fils occuper le poste de directeur de cabinet d'un président de la République et de façon spécifique du président de la République Alassane Ouattara, je ne pense pas qu'on doit arrêter même d'applaudir. Ou bien je mens. Ou bien c'est faux. C'est faux. Est-ce qu'il y a deux directeurs de cabinet? C'est un, non? Quand ton fils a ça, est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce qu'on fait quand son fils a ça? On va applaudir encore plus fort. Merci beaucoup. Oui, parce que nous sommes 22 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Quand on ajoute, bien entendu, nos frères qui se cherchent de l'autre côté, nous sommes peut-être à 25 millions d'Ivoiriens. Et si parmi les 22 ou 25 millions d'Ivoiriens, il y a un seul président de la République, oui ou non? Et il y a un seul directeur de cabinet, oui ou non? Et qui dit président de la République dit son cabinet. Et si ton fils est directeur de ce cabinet, est-ce que toi tu dois dire que tu es malheureux? Non, est-ce que tu dois dire que tu es malheureux? Si c'est pas qu'on est en Afrique ici, est-ce que tu as dit que tu es malheureux? Bon, moi je sais que Aboisso n'est pas malheureux parce que j'ai mon ami, mais votre chef, le Nana lui-même qui est là, qui est content. Donc vous qui êtes ses sujets, vous devez être plus content que lui. Donc je veux sentir les mamans, applaudissez très très fort. Oui, applaudissez pour cette nomination. Et je vais vous donner un conseil. Le fait d'être directeur de cabinet d'un président de la République, ça veut dire que il n'y a pas de dossier qui rentre là-bas que tu ne vois pas. Il n'y a pas de dossier qui rentre chez le président que le directeur de cabinet ne voit pas. Ou bien c'est faux? Bah, si on est malin entre nous, si ton fils est directeur de cabinet, et puis toi tu as des dossiers, que tu veux que le président regarde, à qui tu remets ton dossier?
C'est à qui tu remets ton dossier? Oh, il y a des régions qui n'ont pas leur fils là-bas. Est-ce que Ma a quelqu'un directeur de cabinet? Est-ce que Ojene est le directeur de cabinet? Est-ce que Korogo a directeur de cabinet? Est-ce que San Pedro a directeur de cabinet? Est-ce que Poaké a directeur de cabinet? Qui est directeur de cabinet? Qui est le directeur de cabinet? Qui est le directeur de cabinet? Faut dire merci à Dieu. Quand Dieu te donne un bonheur, faut dire merci à Dieu. Et si ce bonheur vient par quelqu'un d'autre pour t'arriver, c'est que c'est par lui Dieu a voulu passer pour te parler. Donc tu dis aussi merci à cette personne. Ou bien c'est pas ça? Est-ce qu'un poisson est d'accord? Est-ce qu'un poisson est d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, je veux vous sentir. En Côte d'Ivoire, souvent, on joue avec le pouvoir. Mais il n'y a pas deux pouvoirs, il y a un seul pouvoir. Après Dieu, le président de la République, c'est lui qui a le pouvoir ici. Et puis toi, ton fils est directeur de ce pouvoir. Moi, en tout cas, si tu as la chance d'avoir ça, il ne faut pas jouer avec ça. Même si ton fils t'était fâché avec lui avant, mais à cause de ça, il ne faut pas jouer avec lui. Parce que si ton fils, tu lui donnes ta confiance, tu lui donnes ton soutien, tu te mets derrière lui, il va avoir le courage d'aller loin, d'aller très loin aussi dans la défense de tes intérêts. Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde veut des routes. En Côte d'Ivoire, tout le monde veut des ponts. En Côte d'Ivoire, tout le monde veut courant. En Côte d'Ivoire, tout le monde veut l'eau. Tout le monde veut des hôpitaux. Mais il y a très peu de moyens. Et si toi, tu as la chance d'avoir ton fils là où on quête pour avoir les moyens, est-ce que tu es mal placé? Est-ce que tu peux dire que Dieu ne t'aime pas? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Je n'entends rien. C'est que vous-même, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous devez faire? Bon, faites le chant, on va voir maintenant. Je veux voir un poisson en fête. Un poisson doit danser. Envoyer une musique, un poisson va danser. Va dire merci à la salle. Un poisson, levez-vous. Levez-vous, dites merci à la salle. Envoyez de la musique. La musique pour danser. Oui, les mamans. Let's go!
Merci pour ce message. Merci pour ce message. Et ce message ira directement chez le président Alassane Ouattara. Nous allons dire au président ce que nous avons vu ici aujourd'hui. Nous allons dire au président que ce samedi, par la grâce de Dieu, nous étions ici à Abouasso. Et que ce samedi, les cadres d'Abouasso, les cadres du Sud Comoué étaient là, massivement. Près de 200 hauts cadres de ce pays étaient là. Oui, nous allons dire au président de la République que ces cadres étaient là, assistés spirituellement par le roi. Oui, le grand roi de cette grande et riche région de la Côte d'Ivoire, à mon ami personnel, Sa Majesté. Applaudissez très très fort pour lui. Nana Modjoufou Seck était là. Est-ce qu'il n'était pas là? Est-ce que le roi du Saoui n'est pas là? Il est où? Montrez où il est. Applaudissez pour lui. Oui, c'est ce que nous allons dire à Alassane. Nous allons dire au président Alassane que les femmes du Sud Comoué étaient là. Est-ce que c'est faux? Levez-vous, on va vous sentir. Applaudissez les femmes. Oui. Et nous allons dire que les imams, main dans la main, avec les pasteurs, ont prié et béni pour cette cérémonie. Oui ou non? Applaudissez pour les imams et les pasteurs. Et enfin, nous allons dire au président Alassane que ce samedi, à la place à Elenga, oui, les jeunes étaient là. Les jeunes étaient là. Les jeunes filles, les jeunes hommes. On veut voir les jeunes, bébé. Les jeunes. Merci. Merci beaucoup. Dans une bonne ambiance, pendant près de 5 heures de temps, sans fatigue, avec la faim, mais chacun est resté digne. Et rester assis pour attendre ce moment. Et nous voulons donc dire que le président sera fier de vous. Le président sera fier d'Amontano. Le président sera fier du président Cissé, que les cadres viennent de décider de mettre à la tête des cadres dans cette région. Le président sera fier des femmes de cette région qui viennent de lui dire, monsieur le président, on peut se tromper une fois, on peut se tromper deux fois, mais Abouasso s'est trompé une fois, le Sud Comoué ne va plus jamais se tromper. Est-ce que le Sud Comoué va se tromper encore? Pour ceux qui ne vont pas se tromper, levez la main! Et que personne ne va se tromper, parce que Dieu aime la vérité. Dieu aime quand quelque chose est bon, que tu dises que c'est bon. Oui, reconnaissons-le, que notre pays est au travail. Reconnaissons qu'il y a l'autoroute aujourd'hui entre Abidjan et Bassam. C'est des choses qui sont visibles, c'est pas des écrits, c'est pas un roman, c'est une réalité. Oui ou non? Et reconnaissons que cette autoroute, le président Alassane l'a dit, cette autoroute va traverser Abouasso pour aller jusqu'à la frontière. Est-ce qu'il est capable de le faire? Oui ou non? Le pays est en chantier. Et je voudrais dire merci au cadre. Monsieur le départemental du RDR, vous êtes le préfet politique du parti, mon cher frère Koulibaly. Et j'ai très bien aimé tout à l'heure que les choses soient clarifiées dès le départ. Parce qu'en Afrique, on aime les petites choses. On aime les petites choses. Et c'était bon de
me dire que le fait que les cadres se soient mis ensemble, ça ne va pas empêcher Coulibaly d'être le départemental RDR d'Aboisso. Parce que ce que je veux vous dire, ce qui est en train de se faire va au-delà d'Aboisso. Ça va au-delà d'Aboisso. C'est les cadres du Sud Comoué. C'est tous les cadres qui sont en train de bouger les choses. Parce que quand tu dis une maison, les cadres dans une maison, c'est le meuble. Tu peux avoir une belle maison, mais si les fauteuils sont mal placés, si on n'a pas de passage dans ton salon, si ton lit est mauvais, est-ce que tu vas aimer vivre dans cette maison? Et les cadres sont les meubles d'une maison, c'est les fauteuils. Si les cadres s'asseyent bien, si les cadres sont bien placés, la maison va bien profiter de ses cadres. Donc c'est les cadres qui font une maison, ce n'est pas la maison qui fait les cadres. Et ce n'est pas tous les jours que des cadres décident de se mettre ensemble. C'est même une grande chance pour votre région. Parce que nous, les cadres, généralement, on aime trop les petites choses. Chacun se suffit, chacun est chez lui. Donc, il va dire à son ami, fais ça et puis il va faire. Mais quand des cadres d'une région se mettent au-dessus de ça et donnent une grande énergie ensemble pour bouger, parce qu'ils vont aussi tendre la main aux autres cadres, il faut dire Dieu merci, notre région est en train de sortir. Donc ça va au-delà de la politique. Monsieur Cissé l'a dit tout à l'heure, si d'habitude on prend les dossiers des élèves, parce qu'il y a beaucoup d'élèves ici qui ont fait le BTS, ils cherchent des stages, s'il y a un seul cadre qui le fait, ça ne suffit pas. Mais s'il y a 10 cadres, 20 cadres, 40, 50 qui s'occupent de leurs jeunes dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, la région va décoller. Merci, chers cadres. En réalité, c'est votre fête. Le ministre Montano dit de vous saluer et qu'il est fier de vous et qu'il est fier du travail que vous êtes en train d'abattre. Il est fier de cette union des cadres. Et Sa Majesté, vous avez bien fait d'être témoin de ça. Parce qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train de se lever dans votre région. Et Dieu est grand, ça va faire décoller cette région. Ça va faire décoller. Avec votre permission, j'aimerais ici, au nom du ministre Montano, vous tous en vos grades et qualités, les associations, les autorités administratives et coutumières et religieuses, je voudrais vous dire, chères délégations, chers invités, que le ministre Montano est très heureux de cette manifestation. Oui, il n'a pu être là, mais il est là. Son esprit est là. Les cadres sont là. Et son représentant est là. En réalité, ce matin, j'avais une grande cérémonie à Yopougon, à la place Figayo, là où les femmes du Bafing, toutes les femmes du Bafing à Abidjan, ont décidé ce matin même à l'instant de se retrouver à la place Figayo pour aller dire d'une seule voix leur soutien au président Alassane. Et c'est une manifestation, d'après ce qu'on vient de me dire, qui a mobilisé du monde. Je devais intervenir à cette manifestation. Mais mon frère Cissé, avec l'appui du ministre Montano, m'a joint hier pour me dire l'indisponibilité du ministre Montano à être ici. Mais le ministre Montano a dit, cherchez-moi le ministre Konaté, j'ai besoin de lui. Et lorsqu'il m'a eu, il a dit, monsieur le ministre, je sais que vous partez à Yopougon, mais
entre Yom Pougon et mes parents d'Aboisso, il faut choisir aujourd'hui. J'ai dit, ah, sans frère, c'est quelle question ça? J'ai dit, je vous choisis tous, mais je m'en vais à Aboisso, c'est mieux. Et il m'a donc délivré un message. Il salue cette brave population, une population riche, une population qui a démontré sa capacité de préserver la paix à travers des chefs éclairés, à travers des autorités éclairées qui ont empêché que cette région brûle à l'instar des autres régions de Côte d'Ivoire. Et en tant que député, député de ma commune, venant donc dans le Tampi et donc dans l'Ouest, je sais ce que la violence a provoqué dans d'autres régions de Côte d'Ivoire. Je sais ce que la guerre a fait comme ravage dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Parce que nous-mêmes, nous étions sur le théâtre. Nous avons vu beaucoup de choses. Mais quand on voit que des régions du Sud, qui ne sont pas loin d'Abidjan, ont été préservées dans leur cohésion, il ne faut pas oublier de dire merci à Dieu. Il ne faut pas aussi oublier de dire merci au chef. De dire merci aux chefs coutumiers, aux chefs traditionnels, aux chefs religieux et à nos rois. Le roi, merci pour ce travail. Le ministre Amontano est le directeur du cabinet, je vous l'ai dit. C'est un cadre brillant. Ça aussi, vous le savez. À l'instar de beaucoup de cadres ici, de cette région, qui sont brillants et qui ont de grandes responsabilités au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre Amontano mène un travail difficile, je vous l'ai dit. Mais il est aussi un homme qu'il faut célébrer. Oui, parce qu'il a été courageux à un moment donné de la vie. Il a été loyal. Il a cru en ses convictions. Et Dieu merci, le voilà aujourd'hui rehaussé, le voilà réhabilité, une leçon de vie. Il faut se battre pour sa conviction, c'est important. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil se lève un jour, grâce à Dieu. Et il me dit de saluer les dignes fils de ce département, à commencer par notre doyen, le président du conseil régional, le ministre Aka Aoulé, pour ses grandes qualités et son dévouement au service de la région et au service de la nation. On applaudit très fort le ministre Aka Aoulé, le député Ngoua Jérémy, député du PDCI de la commune d'Aboisso, grand formateur devant l'Éternel. Et, bien entendu, ce n'est pas pour rien qu'il gère l'entreprise Pichier qui forme les élites de ce pays avec brio. Et merci, merci honorable, merci. Je voudrais aussi saluer le maire Kano Mamadou du RDR pour son courage et tout le combat qu'il mène pour développer cette ville. Nous voudrons saluer, bien entendu, celui que vous avez choisi comme président des cadres. Comme président des cadres. Moi-même, mon homo, parce que je m'appelle aussi Aboubakar Sidiki, sauf que moi je suis Konaté, et lui il est Cissé, donc c'est mon marabout, et c'est pour ça qu'il m'a tiré pour m'envoyer ici. Je voudrais saluer votre président que vous avez décidé de mettre à votre tête pour ratisser, pour aller prendre tous les cadres, sans distinction politique ni religieuse, pour que l'union sacrée des cadres de cette région s'exprime enfin pendant cette élection. Et je voudrais saluer, bien entendu, le DG qu'il est. Même si je suis arrivé ici tout de suite, j'ai vu une affiche ici, là, les photographes, attendez. Et il dit, on n'a qu'à payer nos impôts.
J'ai dit, hey, si c'est, il te voit une dame là. Même ici, tu viens chercher l'argent encore. Hein? Ils disent, on est venu fêter. On n'a même pas fini de les fêter. Ils veulent nous faire payer un pot encore. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non, hein, payer un pot, hein, sinon il n'y aura pas de pot. Hein. On va casser de la veste. Bon. Merci, mon cher frère, mon cher ami. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là. Je veux saluer le frère Traoré Aboudraman, le docteur, oui, le pharmacien, qui est avec nous. Traoré, le pharmacien, même si c'est Traoré, mais je le salue, parce qu'il me vend des médicaments. Merci, applaudissez pour Traoré, le docteur. Et le frère Sanogo Zoumana, il est où Sanogo Zoumana? Il a disparu. Sanogo, le censeur, merci beaucoup. Et moi-même, mon frère, mon cousin qui a disparu, parce qu'il pense que je le cherche, et je le cherche parce qu'il y a des cotisations dans la famille, il n'a pas encore payé pour lui. C'est mon cousin Konaté Seydou, qui est le directeur du Centre National de Transfusion Sanguine. C'est lui qui s'occupe du sang. Il est aussi de cette région. Et après ici, on va à la maison Abidjan directement. En même temps et mieux. Je voudrais saluer le frère Malamine, le DG de l'ARECA. Le frère Malamine, merci DG. Le frère Bassam Adama, docteur Bassam Adama, bien entendu. Le doyen, un des pionniers qui a été présenté tout à l'heure. Nous voudrons aussi saluer M. Daouda, le directeur de la construction du logement et de l'assainissement du district d'Abidjan. Vraiment, si vous n'avez pas le logement ici, c'est que vous ne voulez pas le logement. C'est lui qui s'occupe du logement à Abidjan. Est-ce que vous savez ça? Bon, où il est? Daouda, viens au milieu, on va te voir. Ah, c'est le directeur. Le directeur de la construction, du logement et de l'assainissement au niveau de tout Abidjan. Donc, est-ce que le chef, vous le connaissez? Mais c'est votre fils. Donc, il faut que les logements sortent ici. Et c'est lui qui est propriétaire de ça. Donc, tu es convoqué chez Nana tout de suite, après ici. Voilà. Merci, Daouda. Sylvain Eymas. Sylvain est où? Sylvain, applaudissez pour son djoula. Son djoula est trop clair. Il a fini avec ça. Sylvain, où est ta femme, djoula? Bon, faut pas tout dire, je te demande plus. Applaudissez pour Sylvain. Oui, il est chargé de mission auprès du ministre Marcel Amontano, le directeur de cabinet du président de la République. Et nous avons, bien entendu, des cadres qui nous ont rejoints. Mais nous allons ici encore saluer le frère Wedje François, huissier de justice, secrétaire départemental adjoint du RDR. Applaudissez pour lui. Vous voyez, ils sont tellement nombreux. On salue ici le directeur de l'eau potable. L'eau. Vous avez construction. Vous avez l'eau potable. Est-ce qu'il y a l'eau potable dans les quartiers? Il y a l'eau potable dans les villages? Ah, c'est parce que vous ne cherchez pas qui est là-bas. Le directeur de l'eau, venez. Ambamso, les femmes, regardez-le. C'est lui qui doit envoyer l'eau dans le quartier. Viens, on va te voir. Après, je vais vous montrer sa maison. Hein. Et la ville est ici. Voilà, chef. Lui aussi, chef. Nana, lui, il est le directeur de l'eau potable. C'est eux qui font les programmes pour donner de l'eau dans les villages, dans les villes, dans les quartiers. Il est aussi fils de votre royaume. Vous avez le logement ici, cadastre ici, le port autonome ici, le premier ministre ici. Mais vous avez tout ou bien vous n'avez pas tout? Merci, cher frère. Ito Adama,
directeur de l'eau potable. Donc, je sais que il y aura de l'eau bientôt partout après son entretien avec le chef. Et mon ami particulier, instituteur à la retraite, Fofana, qui est aussi un des pionniers. Fofana est où? Fofana, doyen Fofana, levez-vous, on va vous voir. Vous avez formé tellement de gens ici. Vous avez même des élèves qui sont devenus DG aujourd'hui. Applaudissez pour le formateur et le doyen Fofana. Et puis enfin, parmi les noms qui m'ont été donnés, je sais que ce n'est pas assez, parce que il y en a tellement, il y en a tellement, qu'on ne peut pas tout citer. On en a fait le maximum. Et je salue ici Fédé, 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 Fédé d'Aquité, Fédé, sortez un peu, sortez. Voilà, l'ami des jeunes, Fédé, bravo, 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 merci beaucoup. On ne peut pas finir de saluer tout le monde. On salue tous les cadres qu'on n'a pas pu citer. Mais je pense que l'une des premières actions de l'association, ce sera, monsieur le président, que vous organisez la journée des cadres ici à Aboisso, au cours de laquelle vous allez faire connaître les cadres aux populations dans une salle climatisée autour d'un repas, et vous allez aussi décorer les cadres, les pionniers qui sont ici devant la nation. Et vous pouvez compter sur nous. C'est ce que le ministre Amontano me dit de vous dire. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner, pour vous aider à continuer à fédérer l'ensemble des cadres ici dans cette région et à faire en sorte qu'ils puissent influencer positivement, très positivement, les résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Vous savez, il y a tellement de monde. Les cadres du RDS sont là. Nous avons mon ami Djané, qui est au niveau de la jeunesse, un des grands challengers qui a failli de si peu être le président du RGR. Parce que, en vérité, c'était moi-même mon candidat, parce que j'aime quand il parle. La façon de parler, il est trop posé. Djané, sors, on va t'applaudir un peu. Voilà, applaudissez pour lui. Merci Djané. Oh, on ne pourra pas finir de saluer tout le monde. Les cadres du RDR, on m'a parlé de Adueni Inès, Aka Emerson, Anoblé, Bassam Traoré, j'ai cité, Bationo, Berthe Draman, et Koulibaly Youssouf, Koulibaly Salif, Dambélé Alseni, on a cité tout cela déjà. Mais, parmi les cadres qui ont fait le travail ici, vous avez un de mes frères, qui lui-même m'a appelé hier, monsieur le président, qui a pesé aussi dans la balance pour que je vienne ici. Je lui ai dit, le président m'a déjà convaincu. Il dit, j'ajoute mon grain de sel à sa sauce. Lui, c'est mon frère, c'est votre frère, le DG du port autonome d'Abidjan. Oui, mon ami et frère, bien sûr, le maire d'Adjaké, qui est aussi secrétaire national au niveau du RDR, chargé de l'emploi. Il est présentement à Hambourg, en Allemagne. Au moment où je vous parle, il est en train de recevoir un prix international pour son efficacité dans le travail. Il s'excuse. Il m'a demandé aussi de vous apporter son soutien et de vous demander d'étendre, de sortir, de faire en sorte que tous les cadres cachés du site commun vous rejoignent dans votre association pour le plus grand bonheur de cette belle et grande région de la Côte d'Ivoire qu'est le site commun. Chers frères, je n'ai plus rien à dire. C'était ça le message du ministre. Il est content de cette cérémonie. Et je pense que, madame le chef CAP, vous qui êtes avec lui à la présidence, dites-lui ce que vous avez vu. Et qu'il a un rôle à jouer, ça c'est mon message, pour consolider ce qui vient de commencer ici.
oui, pour les 5 mois qui restent, qu'ils puissent prendre cette organisation, la vivifier et faire en sorte qu'elle atteigne sa vitesse de croisière. Parce qu'il est le parrain naturel de cette association. Dites-lui que nous avons vu des cadres déterminés, motivés, prêts à répondre, prêts à aller loin. Il faut qu'il joue, lui, tout son rôle, toute sa responsabilité, les cadres, dont il est le premier cadre en tant que directeur de cabinet, disent qu'ils sont prêts aujourd'hui et demain. Et c'est parce qu'ils sont prêts qu'ils ont mis la main à la poche. Oui, on est en Côte d'Ivoire, les temps sont durs, mais quand des cadres donnent un exemple, et que cet exemple est bon, nous devons être fiers. Nous devons être fiers de nous-mêmes. Et c'est un appel aussi pour le président de la République. Parce que je vous ai dit que tout le monde veut Alassane. Mais Alassane, c'est comme une belle femme. C'est le garçon qui va donner bon plan, qui va prendre la belle femme. Donc, si Aboisso ne donne pas bon plan, comment Aboisso peut gagner Korogo ou bien Boaké? Or, vous êtes la première communauté de cadres. C'est vrai qu'il y en a eu à l'ouest, mais là-bas, c'est un district qui s'est réuni. Le Tompi, le Cavalier, le Guémon. Or, ici, c'est une région. C'est des cadres qui ont mis la main en poche et qui ont trouvé 20 millions de francs CFA, monsieur le président, pour aller remettre au président Alassane, pour payer sa caution. Mais là où on donne son argent, est-ce que son cœur n'est pas là-bas? L'élan qui a fait que tu as pris l'argent dans ta poche pour payer pour quelqu'un, est-ce que cette personne, pour aller voter pour lui, ça va être difficile pour toi? C'est qu'est-ce qui est difficile? Donner l'argent ou bien aller voter? Qu'est-ce qui est difficile? Donner l'argent ou voter? Vous choisissez quoi? Hey, allez voter, hein? Vous dites c'est l'argent, vous choisissez la pardonner. C'est le vote. Mais vous avez fait un premier pas. Vous avez donné l'argent. Et Dieu est grand. Inch'Allah, je sais que vous allez voter. Allez-y. Changez la couleur politique de cette région. Montrez à Alassane Ouattara que hier c'était hier et qu'aujourd'hui est différent de hier. Mais c'est dans les urnes que vous devez le montrer. C'est dans les urnes qu'on doit le démontrer. À partir de lundi matin, commence l'inscription sur la liste électorale. Monsieur le départemental, messieurs les cadres, mesdames et messieurs les cadres, commencez à demander dans vos maisons qui a sa carte d'électeur, qui n'a pas sa carte d'électeur, qui est allé s'inscrire, qui n'est pas allé s'inscrire. C'est dans la maison que ça commence. Après, on vient au quartier. Après, on vient dans la commune. Et après, on prend la région en compte. C'est à partir du lundi. Prenez votre famille avec vous. Allez les inscrire. Tous les jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, surtout qui ont 17 ans, 18 ans, peuvent voter en Côte d'Ivoire. Préparez des programmes pour eux, pour les majeurs, les nouveaux majeurs. Préparez des programmes pour eux. Rentrez dans les quartiers. Rentrez dans les quartiers, dans les villages. Recensez les jeunes. Motivez-les pour qu'ils viennent s'inscrire sur la liste. Et faites en sorte que la jeunesse fasse la différence au niveau de l'élection. Parce que celui qui a la jeunesse derrière lui en Côte d'Ivoire remporte les élections. Or, Alassane a une jeunesse dynamique. Alassane lui-même est dynamique. Ses cadres sont dynamiques. Normalement, toutes les conditions sont réunies, si Dieu le veut, pour qu'on puisse gagner cette élection. Mais mettons-nous au travail. Monsieur le Président, votre premier travail, ce sera de réussir le pari de l'inscription sur la liste électorale dans votre région. Faites de ça votre leitmotiv, votre premier combat. Ça dure un mois seulement. Ça dure un mois seulement. Oh, bientôt le mois de carême va arriver. Il y a des gens qui vont dire, moi je suis en carême, je ne vais pas aller m'inscrire sur la liste. Donc avant le mois de carême, pardonnez, faites le paquet. Avant le mois de carême, faites le paquet. Parce que quand carême arrive,
Les gens sont nerveux. Tu viens parler d'élection et voir Tchebona. Quelle élection? Donc, pardonnez. Ça commence lundi jusqu'au 15. Le carême, c'est à partir du 18, Inch'Allah. Faites le paquet. Et puis, comme ça, moi, le carême, tout le monde va faire ça tranquillement. Mais ça dure un mois seulement. Un mois. Monsieur le Président, voilà mon message que le ministre Amontano m'a donné pour vous. Il vous souhaite bonne chance. Il vous apporte son soutien. Il vous apporte sa solidarité. Oui, lorsque je l'ai joué tout à l'heure, je lui ai dit, monsieur le ministre, les 20 millions ont fait comment? Il dit, non, comme toi, tu représentes à la fois, tu es mon représentant, mais tu es aussi un responsable du RDR, va informer Amadou Soumaoro à Abidjan de l'acte majeur posé par les cadres. L'affaire ne peut pas être ici seulement. Non, on ne veut pas ça. Quand des cadres font du bon boulot, non, on ne peut pas accepter qu'on règle ça entre nous ici seulement. Donc si Dieu le veut, les cadres seront reçus par le secrétariat général du RDR à Abidjan, dans une grande salle, en présence de la presse nationale, de la presse internationale, des émissaires directs du candidat Alassane Ouattara, en présence du RHDP, de toute la coordination RHDP, pour que cette somme soit remise solennellement. Ici était symbolique, mais préparez-vous à une grande cérémonie, si Dieu le veut, à Abidjan. Et ce sera cette fois-ci au décor, dans un grand décor, avec tout le RHDP, avec toute la direction du RDR, avec les émissaires du président de la République, son cabinet, pour recevoir, bien entendu, les 20 millions. Donc, voilà ce que nous avons décidé. Et si Dieu le veut, on va vous communiquer dans un bref délai la date de cette importante cérémonie à Abidjan et vous allez pouvoir venir refaire le même geste, cette fois-ci, dans un net de corps, parce qu'un tel geste mérite d'être salué, mérite d'être soutenu, mérite d'être encouragé. Que Dieu bénisse les cadres de la région. Que Dieu bénisse Aguasso. Merci à la royauté pour sa présence. C'est un acte fort, c'est un message fort. Merci aux chefs de communauté, de toutes les communautés. Merci aux imams, aux pasteurs, aux différentes associations ici. Merci à nos mamans, aux femmes. Avant demain, on voudrait vous souhaiter bonne fête, maman. Merci de nous avoir mis au monde. Merci d'avoir souffert pour nous mettre au monde, pour nous éduquer. Que Dieu fasse qu'on vous rende heureux chaque jour, qu'on vous rende heureux, et que Dieu fasse que vous vivez longtemps, 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 longtemps sur cette terre en bonne santé. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'était le message du ministre Amontano. On va applaudir, on applaudit, on applaudit, on applaudit. On n'arrête pas d'applaudir. Solidarité, ton amour pour notre région. Merci également de transmettre fidèlement ce message et au secrétaire général du parti et au président de la République. Merci. Et maintenant, nous passons à la séance des dons.